Bonsoir à tous pour ce nouveau live. Il est 19h, nous sommes le 14 décembre aujourd'hui. Salut All Jazz, bonsoir Lofty, bonsoir Gabriel également qui est avec nous. Pascal, bienvenue également. Dieudonné, bonsoir. Bienvenue également à donc, Pascal Mbalia, Yves Brulin, All Jazz. Donc tous ceux-là sont présent et bien présent hein, chaque mardi, donc ça c'est super pour pouvoir débattre un petit peu de tous ces sujets musicaux. Salut Xavier, bonsoir Michel également, est avec nous Clochette, Yves, on s'est déjà vu, très très bien. Je me permets d'accueillir d'abord tous les nouveaux ce soir hein, qui nous rejoignent à peine. Donc pour leur dire simplement que tous les autres lives précédents, donc des sessions d'une heure, sont présents sous l'onglet playlist dans Music Classroom Live Playlist. Vous allez trouver tous ces sujets sur lesquels nous avons discuté hein, auparavant, ainsi que celui-ci de ce soir qui est, je crois, le 66e ou 67e live, je pense, que nous faisons ce soir. Voilà, je vous souhaite donc la bienvenue, j'espère que vous allez tous bien. Bonsoir Nicole Nardin, que je connais bien également, Jean-Marie, Christophe, Estelle également. Donc c'est un petit peu petit ce soir, je vais vous dire pourquoi, parce que je vais mettre une partition tout à l'heure, donc j'ai besoin de place pour la placer donc au centre. Voilà, Sigma, bonsoir, Sarah, bonsoir également, Mohamed, Ali Touré est également avec nous, Anne, bonsoir, bienvenue. Donc bonsoir à tous, je rappelle à ceux qui nous rejoignent, donc les nouveaux, que le live se passe de cette façon. La première partie, on va donner un petit cours qui ce soir est consacré au travail de la technique pianistique hein, pour débutants. Et puis donc dans la deuxième partie, vous pourrez à ce moment-là poser vos questions, toutes les questions musicales d'ordre esthétique sur ce sujet de ce soir ou sur n'importe quel autre sujet musical. Salut Amal, bienvenue, bonsoir, bonsoir Salma également. Qui nous rejoint ce soir. Freddy, salut également. Bonsoir, bienvenue en tout cas dans ce nouveau live. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et ce soir, bien évidemment, on va parler un petit peu de technique, plus exactement la façon un petit peu de travailler votre clavier, donc et quotidiennement, chaque semaine et chaque jour qui passe, voilà, pour progresser, etc. Très bien. Eh bien, j'attends encore un petit moment pour attendre les derniers. Donc, bonsoir Wari, bienvenue. Bienvenue. Bienvenue à Didier aussi qui nous rejoint, un habitué, bien sûr. Didier, les deux Didier d'ailleurs. Didier Guillon et Didier, donc. Peters, oui, c'est ce que j'avais bien lu aussi. Salut, bonsoir. Coltrane nous rejoint également. Bienvenue, habitué, hein, bien sûr, des lives, c'est très bien. Voilà, je crois qu'on va être nombreux ce soir. Peut-être que le sujet va intéresser plus de personnes. Salut Yann, bienvenue aussi. Bonsoir Vincent, bienvenue. Voilà, donc ce soir, on va parler de la façon un petit peu de travailler. Donc si vous me connaissez déjà et si vous connaissez la chaîne, j'ai fait déjà quelques tutos sur cette façon de travailler et puis d'être en même temps, si vous voulez, efficace. Voilà, parce que comme vous le savez, on peut travailler des heures en étant inefficace, mais travailler beaucoup moins de temps, si vous voulez, et en étant super efficace. Pourquoi ? Parce que pendant cette période de temps que vous allouez au travail du piano, eh bien, il va falloir résoudre des situations, des problèmes, etc., ou des difficultés techniques, par exemple, ou esthétiques. Hein. Bien sûr, il n'y a pas que la technique, bien sûr, dans la musique. Donc, bonsoir à tous. Kenneth nous rejoint également. Kenneth, bonsoir Caroline, bienvenue Philippe. Et Jean-Yves, bien sûr, Frédéric également, Gracien nous a rejoint, ainsi que Edith. Ben, je vous souhaite donc une bonne soirée en notre compagnie, j'espère que ça va vous plaire ce sujet. Alors comme je vous le disais, j'ai déjà fait des tutoriels effectivement sur cette façon de travailler un petit peu, si vous voulez, efficace. Voilà. Et si vous avez suivi ces tutos, vous savez que le temps que vous consacrez chaque jour, donc, je le divise en gros en trois parties, d'accord ? Alors la première partie, ça va concerner un petit peu l'échauffement. L'échauffement des doigts et puis en même temps de la dextérité, de la technique, donc de la fluidité, etc.
Et pour ça, eh bien, évidemment, les premiers travaux qu'on peut faire, qu'on peut appliquer, ce sont les gammes, les arpèges, tout ce travail technique qui va vous chauffer les doigts avant de commencer quoi que ce soit d'autre. Alors, je l'ai dit, donc ces gammes que vous allez travailler, je vais prendre Do majeur ici, hein, c'est simplement pour que les choses soient plus claires et plus simples à comprendre. Je vais prendre Do majeur, bien sûr, vous allez travailler les mains séparées sur une octave. Hein. D'accord. Si vous l'avez comme ça une octave, faites-le très très lentement, une octave à deux mains. Voilà, quelque chose, enfin deux paramètres que vous allez appliquer quand vous travaillez ces gammes. Hein. Le premier, on l'a déjà dit bien sûr, mais je vais le répéter pour les nouveaux. C'est d'une part la régularité rythmique. Donc n'hésitez pas de travailler avec un métronome, un clic au début, très très lent à une octave comme ça, même beaucoup plus lent. Voilà, le temps d'avoir vraiment le bon doigté. Si vous n'avez pas les doigtés, regardez mes tutos, vous verrez, tutos débutants qui vont parler donc des doigtés de ces gammes en Do majeur en tout cas. Ensuite, vous allez essayer de monter sur deux octaves, hein, c'est-à-dire par exemple de là à ici. Donc deux octaves, ce que vous pouvez faire, c'est doubler un petit peu la vitesse par rapport à une octave. C'est-à-dire si vous aviez des noirs, par exemple, dans une octave, vous allez faire des croches maintenant. On va doubler la vitesse comme ça. Deux octaves, hein, jusqu'ici. Voilà, avec les bons doigtés, méfiez-vous au changement d'octave aussi, de bien passer les doigts pour qu'il n'y ait pas de cassure, hein, lorsqu'on change d'octave. Donc là, je l'ai fait à l'accroche, par exemple. Puis quand vous l'avez à l'accroche comme ça, toujours avec le même tempo, hein, vous allez essayer de le faire sur trois octaves. Par exemple, comme ça. Mais là, on va le faire en triolet. Par exemple, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3 par clic, ça va encore un petit peu accélérer le tempo. Hein. Alors, retenez bien les choses importantes quand vous faites comme ça, évidemment, des exercices de gamme et d'arpège, on le verra tout à l'heure. Essayez la régularité rythmique avec un clic de métronome. Essayez aussi de mettre le même poids sur chaque note. Hein, le même poids sur chaque note, ça concourt évidemment à la régularité, ça aussi. Et puis essayez d'en faire quelque chose comme si c'était une phrase musicale et non pas comme ça. Non, essayez de... Voilà, très lié, hein. Voilà, d'accord. Donc mettez déjà même dans les exercices une certaine musicalité. Ensuite, on va essayer à 4 octaves. Alors, par exemple, je vais partir plus bas d'ici, donc, et je vais arriver ici. Voilà. Et donc, ça va faire demain. Cette fois-ci, on va avoir 4 notes par clic du métronome que vous avez mis là au début. 4 notes qui vont nous indiquer, par exemple, 4 doubles croches par temps. Hein, d'accord ? Voilà. Et quand vous êtes là, vous redescendez. Voilà, donc, d'accord, là je suis à la double croche. Alors, vous voyez, on a monté à une octave lent, à deux octaves, on a travaillé deux fois plus vite, c'est-à-dire deux croches par clic du métronome, à trois octaves, trois notes par clic du métronome, c'est-à-dire comme des triolets de croches, par exemple, et quatre octaves ici, on va avoir donc des doubles croches, donc ça va encore augmenter la vitesse. Là, j'ai travaillé, bien sûr, sur la gamme de Do majeur, on est tous d'accord, mais bien sûr, vous savez qu'il y a 12 demi-tons ici, dans une octave, donc 12 notes. Eh bien, vous allez faire pareil en montant, par exemple, d'un demi-ton sur Ré bémol, maintenant. Alors, vous le savez, donc les doigtés ne sont pas les mêmes. Si en Do, j'ai commencé avec le 1 à la main droite, pouce donc, et 5 à la main gauche, petit doigt ici... La vidéo est réduite, donc je suis obligé de resserrer. Eh bien, sur Ré bémol, je vais avoir 2 à la main droite ici et 3 ici à la main gauche. Comme ça, donc une octave, même plus lent. Hein. Voilà, vous allez vous en profiter pour avoir un beau son comme ça. Hein. Ça, c'est... Voilà, on verra les questions après. Hein. Voilà, j'étais à une octave avec effectivement donc très très lent, un clic très lent du métronome, commencé à 40, 50, pas plus. Hein. Ensuite deux octaves, on va monter à l'accroche.
et je redescends, hein, d'accord. Et vous savez qu'en ré bémol majeur, ici, il y a les 5 bémols, hein, ce qui sont évidemment si, mi, la, ré, sol, d'accord. Voilà, ensuite, on va faire 3 octaves, on va faire du triolet, par exemple. Et vous redescendez. Voilà. Et puis 4 octaves, on va mettre des doubles croches. Et vous redescendez. Voilà, quand vous travaillez ces gammes, hein, travaillez bien la simultanéité aussi des deux mains. Il ne faut pas qu'il y ait de décalage comme ça. Ça, c'est pas bon. Ensemble, bien ensemble, toujours. On doit entendre qu'un seul son à chaque fois. Et quand vous changez d'octave, vous, par exemple à 4 octaves, à chaque fois que vous changez d'octave, il faut qu'il n'y ait pas de cassure. C'est-à-dire qu'à l'oreille, on a l'impression que c'est un flow continu et qu'il n'y a pas de cassure, pas de changement d'octave. Donc pour ça, le doigté est bien sûr très, très, très intéressant et très utile, bien sûr, et même obligatoire. Donc vous savez que lorsqu'on commence sur une touche blanche ou une touche noire, eh ben, les doigtés ne sont pas toujours les mêmes, évidemment. Alors pour les doigtés, tout ça, vous avez beaucoup, beaucoup de manuels qui vont vous indiquer ça, notamment dans le hadon, hein, vous avez toutes les gammes et toutes les arpèges, on va en parler un petit peu, avec même les doigtés d'inscrits, etc. Donc ça, vous pouvez travailler. Ça, ce sont des exercices de dextérité, c'est-à-dire qui sont tout à fait, faits pour justement avoir une certaine fluidité, pour chauffer également, pour travailler vos doigtés, hein, puisque les gammes, etc., vous font travailler de toute façon ces doigtés, puisque ces exercices, c'est des exercices de préparation finalement et d'échauffement. Donc vous allez le faire comme ça sur chaque note de la gamme. Donc vous avez 12 sons, vous le savez, mais là on a monté les gammes majeures. Vous savez aussi qu'il faut monter les gammes mineures qui sont les relatives de ces gammes majeures. Si on avait Do majeur ici, eh bien la relative c'est La mineur, une tierce plus bas, une tierce mineure plus bas, La mineur, et j'ai... Voilà, là j'ai la gamme de La mineur harmonique, hein, avec ce Sol dièse, la note sensible, 7e degré, toujours à un demi-ton de La, la tonique ici, d'accord. Pareil, vous allez travailler à une octave, à deux mains, comme ça, et si vous... Vous avez un problème à deux mains, commencez à une main, simplement. Salut Lolo, bienvenue sur ce live qui est destiné aujourd'hui au travail technique, hein, du piano. Voilà, donc vous faites la même chose sur La mineure et puis toutes les gammes relatives mineures des gammes majeures qui sont construites tout à l'heure, on l'a vu, sur les 12 demi-tons compris dans une octave ici. Donc une octave, deux octaves, trois octaves, quatre octaves, à chaque fois vous allez donc augmenter la vitesse, aller-retour bien évidemment, puisque vous savez qu'en redescendant, les sensations ne sont pas toujours les mêmes qu'en montant effectivement. Et vous l'avez peut-être même remarqué qu'il y a toujours une main qui a plus de facilité à monter que de descendre. Et c'est évidemment l'inverse entre la main droite et la main gauche. Moi je pense que ici c'est plus difficile de monter à la main droite que de descendre. Et la main gauche, c'est l'inverse. Moi, j'ai plus de facilité à monter à la main gauche que de la redescendre, bien sûr. Vous voyez, les mains ne sont pas égales, hein, et souvent, la main gauche est plus faible en plus. Donc, travaillez là, même à part, hein, ça fait un bon exercice. Ça, c'est la première partie. Et vous pouvez, bien sûr, travailler sur le hanon, par exemple, ces exercices. Hein. Voilà, dextérité, échauffement aussi. Etc. Plus vite. Etc, etc. Donc vous avez plein d'exercices comme ça. Je vous conseille le hanon, il est très décrié, mais peu importe, n'écoutez pas ça, essayez de travailler votre dextérité, essayez de travailler, plus vous travaillez, et ça aura de toute façon un très très grand bénéfice pour vos doigts et pour votre technique, surtout que le hanon met aussi les doigtés sur tous ces exercices, donc c'est assez important. C'était la première partie de votre temps alloué au travail quotidien. Alors quelle va être la deuxième partie? La deuxième partie, c'est de essayez de travailler cette fois-ci votre technique, mais sur des petits morceaux un peu plus musicaux, parce que le hanon, c'est pas de la musique, c'est vraiment de l'exercice pur et dur, hein. Donc on va essayer de travailler maintenant sur des recueils, et j'ai sélectionné pour vous le Czerny. Je vais mettre ici la partition Czerny, si elle apparaît, vous la voyez.
Alors ça, c'est le Czerny, ça s'écrit C pour ceux qui ne savent pas, hein, Czerny. Je vous conseille, si vous débutez ou si vous avez un petit niveau, hein, de quelques mois, etc., de travailler sur cet opus 139, volume 1, ici, de Czerny, vous le voyez ici. Donc, alors c'est quoi ? Ben, ce sont des petits exercices, je vais faire défiler comme ça, vous voyez, des petits exercices très très courts. Voilà, qui défile comme ça, vous voyez, il y en a une centaine ici, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est progressif. C'est-à-dire, petit à petit, vous allez aller vers de la difficulté jusqu'au numéro 100, hein, donc qui doit être en bas ici, voilà. D'accord ? Donc ça, c'est très bon. Pourquoi ? Parce que ce sont des petits exercices. Et puis, en même temps, des exercices un peu plus musicaux. Voilà, par exemple, je vais prendre le numéro 1 ici, je vais essayer de voir, de déchiffrer. Vous remarquez qu'il y a deux clés de sol, par exemple, hein, qu'on va travailler ici, entre le mi de la main droite et ici le do de la main gauche. Vous voyez ici, c'est très simple. Très simple, des petits exercices. Vous voyez, vous avez même les doigtés qui sont mis. Ben, à quoi sert ce premier exercice ? Eh ben, visiblement, c'est pour travailler. Vous le voyez, je ne sais pas si vous voyez la souris, mais dès la deuxième, la troisième mesure ici, vous avez des tierces parallèles avec des doigtés liés, hein, liés donc avec des doigtés comme ça. Voilà. Et en avant-dernière mesure ici, vous voyez, même chose encore, cette tierce parallèle que vous allez travailler ici comme ça. Voilà, c'est fait pour ceci, avec une main gauche un petit peu en basse d'Alberti, comme ça, qui est un peu plus haute ici, parce qu'en clé de sol. Voilà, donc ma main gauche aussi. Travaillez les mains séparées, et puis lorsque vous vous sentez en place, eh bien vous allez pouvoir donc travailler. Et l'intérêt, regardez, sur ce premier exercice, dès qu'on voit la deuxième ligne ici, eh bien on a inversé un petit peu les choses. On va se retrouver avec des tierces ici à la main droite, et puis le petit motif ici, vous voyez, qu'on avait ici, si, sol, 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 octave, on va commencer ici à la main gauche, là. Donc ici, une main gauche qui est plus active. Voilà, ce qui ne fait pas de mal pour la travailler aussi, d'accord. Donc deux ici, deux lignes pour ce premier petit exercice, avec des reprises, vous le voyez ici, donc une fois que vous avez fait cette ligne, vous reprenez là une deuxième fois, ensuite vous passez à la deuxième, vous reprenez la deuxième, et il est terminé ici, voilà. Donc voilà un premier exercice, et puis petit à petit, en descendant, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, la page, vous allez trouver des exercices progressifs. C'est-à-dire, donc, ça va aller d'un petit peu plus, de plus en plus difficile. L'intérêt ici, c'est que ce sont des petits morceaux déjà, des petits morceaux pratiquement débutants, ou les premiers mois, premières années, et qui vont vous permettre de travailler à chaque fois les deux mains, parce que souvent, ils inversent, évidemment. Vous l'avez vu ici, on inverse ce qu'on avait à la main droite, on va le retrouver un peu à la main gauche. Donc, les deux mains travaillent, donc ça ne peut être que très très bien pour travailler. Donc voilà, le Czerny, ça sera la deuxième partie de votre travail quotidien. Donc, travaillez cette fois-ci, et chaque petit exercice que vous voyez ici comprend une difficulté technique qu'il faut travailler. Donc, si vous la passez, ben, vous progressez. Voilà. Si vous ne le faites pas, et ben, voilà, vous allez rester... avoir cette sale impression, bien sûr, de régresser à chaque fois, de ne pas avancer, quoi. Voilà, donc ça, c'est une idée, hein, c'est une idée parmi tant d'autres. Czerny, ça n'est pas le seul, vous le trouverez, hein, certainement sur Internet. Donc l'opus 139, volume 1 de Czerny, très bien aussi pour des exercices qui sont progressifs en difficulté, je vous le rappelle, ça c'est bien, hein, c'est pas mal aussi. Voilà, ça c'est la deuxième partie, donc, de votre travail que vous pouvez. Donc première partie, on l'a vu, donc l'échauffement avec les gammes, les arpèges, le hanon, tout ça c'est juste de la dextérité, hein, c'est d'exercices qui ne sont pas musicaux. Deuxième partie, ben, ce Czerny là par exemple, mais il en existe beaucoup d'autres bien sûr, beaucoup d'autres recueils évidemment, avec beaucoup de volumes différents suivant les difficultés, etc. Donc voilà, qui vous présente cette fois-ci des petites pièces musicales, voilà, qui vous font travailler en même temps, dans chaque pièce, une musicalité
Bonsoir Carlos, salut, salut à tous. Je ne vous voyais pas défiler pour l'instant puisque je suis sur le cours, mais tout à l'heure, on posera des questions sur ce sujet-là du travail quotidien. Voilà, donc je vais enlever donc cette partition de Xerny. Je vous ai donné les références. Vous pourrez le trouver évidemment un petit peu partout, hein, sur le net, en PDF, ou voilà, ou acheter la partition, hein, c'est aussi bien. Voilà, donc je continue ici. Je vais ouvrir un petit peu plus ici les encarts, si il n'y a plus de partition. Voilà, comme ça. Très bien. Voilà, donc écoutez, c'est la deuxième partie. Donc la troisième partie va être consacrée à un morceau, un vrai morceau du répertoire, une pièce musicale, qu'elle soit classique en particulier. Et là, c'est un choix que vous allez faire suivant votre niveau, évidemment, travailler une pièce. Qu'il est bien de travailler, ce que je conseille moi souvent, c'est de travailler plusieurs compositeurs, plusieurs époques différentes. Hein. On peut par exemple commencer par une pièce de Bach, avec, vous avez les préludes, hein, tous les préludes de Bach, ou même des pièces beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles. Mais travailler en tout cas des pièces qui sont de votre niveau, hein, qui ne soient pas trop trop difficiles. Donc vous choisissez une pièce de votre niveau et vous allez la travailler. Alors la travailler pour travailler une pièce. Alors j'ai pas d'exemple ici, mais bon, vous pouvez changer d'époque, aller chez Debussy par exemple, hein, avec les préludes, les petits préludes, ou alors encore revenir chez les classiques avec des petites sonatines de Mozart, etc. Donc changer d'époque comme ça, si vous aimez la musique classique, vous pouvez changer d'époque et en même temps donc avoir évidemment un panel évidemment de tous ces styles musicaux là. Si vous voulez, l'histoire de la musique classique est longue, hein, c'est énormément de siècles. On commence au Moyen Âge, on continue par la Renaissance au XVIe, le Baroque au XVIIe, avec des compositeurs comme Bach, Vivaldi, etc. Ensuite, vous passez par exemple par le XVIIIe avec Beethoven, hein, les classiques, Beethoven, Mozart, etc. Ensuite, vous allez faire une incursion chez les romantiques, par exemple chez Chopin, Brahms. Voilà, restez toujours dans votre niveau et puis allez vers les modernes, Debussy, Fauré, Ravel, etc., qui sont un petit peu plus parfois difficiles à jouer. Voilà, donc je vous conseille de changer d'époque. Comment les travailler ces morceaux? Eh bien, d'abord, je conseille une analyse du morceau. Si c'est un morceau qui fait plusieurs pages, vous devez savoir quelle est la structure de ce morceau, comment vous allez le jouer en fait. Donc bien vérifier absolument les clés, les mesures, les altérations à la clé, dans quelle tonalité ou quel mode on est, hein, suivant l'époque évidemment. Donc essayer de travailler, d'avoir d'abord une analyse, une vision de cette. Et puis connaître un petit peu l'histoire autour de ce compositeur, de son époque, ça aide beaucoup dans l'interprétation d'une pièce. Hein. Par exemple, j'ai fait un tutoriel qui sortira bientôt sur le Clair de Lune de Debussy. Bon, ben, on situe d'abord le Clair de Lune donc de Debussy parmi les pièces d'une suite qui s'appelle Bergamasque, hein, chez Debussy. Et puis, c'est quelle époque? Ben, c'est l'époque moderne, école française, début du XXe siècle, hein, la belle époque. Et là, on se rend compte effectivement qu'on a un langage modal et tonal, et puis que les structures sont un peu différentes des structures classiques, des formes classiques, hein, qu'on a vues auparavant au 19e, 18e, 17e, etc. Et donc, ça situe un peu la pièce et là, surtout la façon de le jouer, puisque c'est des compositeurs, Debussy, qui jouaient beaucoup dans l'intimiste, hein, des pièces assez légères, très parfois profondes, c'est pas ce que je voulais dire, mais qui sont toujours un petit peu, qui créent un mystère, voilà, dans des nuances souvent très très pianissimo, etc. Donc tout ça, c'est nécessaire de savoir, il n'y a pas que frapper sur un clavier, il faut aussi connaître l'histoire de la pièce, la situer chez le compositeur, la situer dans le temps, par exemple, pour mieux interpréter justement. Ensuite, travailler par partie une pièce musicale, c'est-à-dire travailler par exemple la première phrase musicale. On ne va pas découper ça en nombre de mesures, mais surtout en phrases. Parce que quand vous jouez une mélodie comme ça, vous voyez bien qu'il y a à un moment donné un repos. Donc vous arrêtez à ce point fatidique ici, enfin du moins ce point stratégique. Et puis vous allez travailler donc la main droite d'abord de cette première pièce, ensuite la main gauche. Donc vous allez réunir les deux mains pour jouer les notes et les rythmes comme ça. Voilà. Je vous conseille aussi d'aller sur YouTube, d'écouter la pièce par plusieurs interprètes. Ça vous donnera une idée des interprétations et de la couleur qu'ils donnent justement à cette pièce précise, d'accord? Ensuite, vous allez travailler autre chose que les rythmes et les notes. Vous allez travailler bien sûr toute l'expression, l'interprétation, c'est-à-dire
Bah, les nuances, les phrasés, donc les mouvements aussi, quand s'il y a des variations de mouvements, des ralentis, etc. Le tempo, tout ça, l'ambiance, l'atmosphère, le toucher, tout ça, voilà, tout ça fait l'interprétation aussi. Mais travaillez en tout cas par section. Ne passez pas à une section suivante si, par exemple, si la phrase musicale fait deux systèmes de portée, bah, travaillez ces deux systèmes, les mains ensemble, etc., avec musicalité. Et puis ensuite, lorsque vous vraiment maîtrisez ces deux systèmes, vous passez au deux suivants ou à la phrase musicale suivante, d'accord? Donc c'est voilà, ça se construit, une interprétation, ça se construit donc étape par étape, évidemment, jusqu'au moment où vous arriverez à la fin et puis vous pourrez enchaîner ensuite toutes ces sections parce que les enchaînements sont très importants en musique. Justement, entre deux phrases musicales, entre deux sections, il y a souvent des transitions qu'il faut travailler aussi, d'accord? Et chaque pièce que vous allez jouer, chaque pièce du répertoire donc classique, et bien vous verrez qu'il y a évidemment des difficultés techniques, parce que chaque pièce pose un problème technique que vous aurez travaillé auparavant avec vos techniques d'échauffement, de fluidité, puis par exemple avec Czerny, qui monte dans des niveaux même assez élevés. Hein, Czerny, il y a plusieurs volumes. Voilà, donc tout ça, les deux premières parties de votre temps de travail qui est consacré donc au piano. Donc un, l'échauffement avec les exercices gamme, arpège et anon, si vous voulez, etc., la dextérité, la fluidité. Deux, donc un Czerny, par exemple, qui va vous faire travailler des petites pièces avec chacune, dans chaque pièce, donc une difficulté à résoudre. Et là, vous progressez si vous les résolvez. Et puis une troisième partie, vous allez jouer vraiment une pièce parce qu'il faut bien se faire plaisir. Les deux premières ne sont que des outils. Mais cette troisième partie, c'est jouer une pièce musicale de votre niveau, bien sûr, par étapes, comme je vous l'ai dit donc tout à l'heure. Hein, ça, c'est très très important. Voilà, donc si vous consacrez ces trois parties chaque jour, on peut avoir 1 heure de piano par jour. Si vous ne les avez pas, faites-le en 30 minutes. À ce moment-là, vous divisez par trois un petit peu ces trois parties-là. Et vous arriverez comme ça à progresser parce que vous allez résoudre des problèmes techniques. Donc avancer, donc progresser à chaque fois. Et dans la troisième partie, donc la pièce musicale vous montrera effectivement que ça pose parfois des problèmes techniques que vous aurez travaillé déjà dans les précédentes deux étapes. Hein, d'accord? Voilà, ces trois étapes, ça c'est travailler efficace, c'est-à-dire que vous allez résoudre des problèmes, donc progresser, donc avancer. Même si c'est difficile, certains points techniques sont difficiles à résoudre, il faut les rabâcher jusqu'au moment où vos doigts passent la difficulté. Et à ce moment-là, donc vous pouvez prétendre à aller un peu plus haut donc dans le niveau hein, et même donc ensuite changer de pièce et monter progressivement au niveau supérieur. Voilà. Voilà comment je conçois donc la division d'un travail, d'un espace de travail quotidiennement. Vous pouvez le faire également donc en 1 heure. 1 heure, c'est idéal hein, pour travailler. Si vous avez 1 heure par jour, c'est formidable déjà. Parce que la plupart d'entre vous, je suppose, travaillent, etc. Donc le soir, passez, mettez votre casque. Si vous avez un piano numérique, travaillez pendant 1 heure. Si vous ne les avez pas, faites 30 minutes et divisez vos 30 minutes dans ces trois parties de travail. Hein, d'accord? Vous retrouverez d'ailleurs tous les tutos hein, à ce sujet, notamment dans la playlist Piano débutant hein, que vous trouverez sur la chaîne Music Classroom, évidemment. Voilà ce que je voulais vous conseiller, en tout cas, pour effectuer un travail efficace, pour que vous puissiez progresser. L'instrument, c'est un travail de longue haleine, bien sûr, il ne faut pas être pressé, hein, il faut donc les faire petit à petit, comme ça, chaque jour, pendant des semaines, des mois, et parfois même des années. Vous le savez, tous les grands interprètes que vous entendez, ou que vous voyez donc en concert, et bien voilà, on travaillait ça pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, etc. Voilà, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de truc, il n'y a pas d'astuce, il n'y a que du travail. Et c'est ce travail qui paie, c'est-à-dire qui vous permettra de passer ces échelons et ne plus avoir l'impression de régresser ou de stagner au pire. D'accord? Bonsoir, alors maintenant il est 19h28 à peu près. Je vais vous laisser la place aux questions maintenant, des questions peut-être sur ce sujet du travail particulier à domicile. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Sinon, vous pouvez poser des questions sur d'autres sujets. J'essaierai d'y répondre avec l'aide du clavier ici en tout cas. Bonsoir Cendrillon, bonsoir Francis, on ne s'était pas vu tout à l'heure. Bonsoir Guy. Anselme également, bonsoir, que je connais bien. Gérard, Guillaume, Marilyn, bonsoir.
Bonsoir à tout le monde. Si vous avez loupé le début de ce live, vous pouvez le retrouver dès demain, je pense, sur la chaîne, sous l'onglet Playlist, Music Classroom, Live une fois de plus. Donc, tous les lives sont stockés sur la chaîne. Vous pouvez les revisionner, les retravailler, etc. Et puis, vous aider à l'aide donc, de ces nombreuses questions que vous posez, de mes réponses. Voilà, peut-être que ça va vous motiver, effectivement, pour avancer dans l'étude de l'instrument, mais pas seulement, de la musique aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la musique c'est tout un ensemble, c'est aussi savoir lire, c'est aussi travailler son oreille musicale, c'est aussi lire des rythmes à vue, etc. Donc du solfège, de la théorie musicale aussi, pour comprendre tous les mécanismes de la musique, qui vont venir compléter votre travail de l'instrument, si c'est le piano, donc voilà, de votre piano, mais ça peut être un autre instrument aussi, bien sûr. Bonsoir Rodolphe, salut Xavier également. Alors Xavier nous demande, aurais-tu des idées, des conseils afin de travailler efficacement les basses d'Alberti? Oui, il y a des petites sonatines de Mozart que tu vas trouver, des petites sonatines qui utilisent donc cette fameuse basse d'Alberti, qui était en fait un arpège, tu vois, mais brisé, c'est-à-dire pas dans l'ordre, do, sol, mi, sol, au lieu de faire do, mi, sol, tu fais do, sol, mi, sol, voilà. Voilà, basse d'Alberti. Utile aussi, c'est une des techniques parmi tant d'autres. Sigma nous dit, j'arrive à exécuter des exercices correctement chaque main, séparément, mais avec les deux mains en même temps, c'est beaucoup plus difficile, je suis atteint... Non, tu n'es pas atteint de débilité, c'est l'indépendance des mains, et c'est de ça que tu nous parles, ici, Sigma, et ça c'est un problème pour tous les pianistes, et particulièrement les pianistes, parce que c'est un instrument qui demande une indépendance évidemment des mains. Je considère en tout cas que l'indépendance des mains, c'est une des techniques essentielles au piano sans lesquelles on ne peut pas continuer, puisque vous savez que dans toute la littérature, toutes les partitions que vous allez trouver dans la musique classique, etc., même dans le jazz, nécessite une indépendance des mains. Il y a des tutos sur ça, Sigma, tu vas les trouver sur la chaîne, essayer de travailler cette indépendance lentement, pour comprendre les mécanismes, et ensuite pour l'automatiser. Puis la deuxième chose importante, ce sont les doigtés pour moi. Les doigtés, lorsqu'on fait une phrase musicale, lorsqu'on enchaîne des accords, etc., vous devez avoir donc les bons doigtés pour pouvoir avoir un jeu plus fluide et continuer vos phrases comme ça, sans interruption. Donc l'indépendance des mains, les doigtés, deux techniques essentielles, bien sûr, qu'il faut travailler lentement. Freddy nous dit, Yves, comment avoir une bonne indépendance? Voilà, c'est ça, je viens d'en parler, Freddy, j'espère que j'ai répondu à ta question. Il y a des tutos, il y a aussi des exercices sur le shop, que vous pouvez donc travailler sur l'indépendance des mains, j'en ai fait. Donc des exercices en PDF que vous pouvez travailler, télécharger et travailler. Yves, la difficulté que je rencontre, il y a des semaines en semaines de plus en plus. C'est de plus en plus. Je ne sais pas quelle est la question, Yves. All Jazz nous dit bonsoir. Dans le cadre d'un standard de jazz, tu préconises également ce découpage, travail main gauche, puis droit, puis les deux. Pourquoi pas? Oui, je pense. Tu peux jouer un thème et puis ensuite rajouter tes accords à la main gauche. Essaye d'avoir, tu vois, à la main gauche, le thème. Et puis rajouter des accords. Mais tu sais, des accords avec des conduites des voix comme ça, tu vois, très d'un accord à l'autre. On en a souvent parlé, tu vois, avec les positions. Là encore, c'est là le travail. Tu vois, ici dans le médium, et ensuite mettre les deux. Et puis, bien sûr, la rythmique, puisque tu sais bien que le paramètre rythme en jazz est essentiel. Le swing, bien sûr, mais pas que. Il y a aussi du jazz qui est binaire, bien sûr. J'ai oublié le titre de la partition que vous avez montré, c'est Czerny. Czerny, CZ. CZERNY, l'opus 139, volume 1. C'est déjà, voilà. Mais en revoyant le live, tu pourras le voir. Lofty, est-ce qu'il serait pas plus utile de travailler chaque main indépendamment? Et oui, c'est ce que j'ai conseillé, Lofty, tout à l'heure. C'est de travailler, bien sûr, les mains séparées. Si vous n'arrivez pas à jouer une pièce, les mains séparées de A à Z, sans erreur et de façon continue, vous n'arriverez pas à mettre les deux mains ensemble. C'est très clair. Restream nous dit qu'il y a déjà 100 messages qui ont été postés, donc vous êtes très, très actifs.
Je vais essayer de répondre à tous les messages. Si j'en saute, n'hésitez pas évidemment à les reposer. Michel nous dit un conseil pour sol mineur bac que je travaille actuellement. C'est quoi sol mineur? C'est quoi? C'est un prélude, c'est ça? C'est quelle pièce? Quel type de pièce? Je ne peux pas te donner des conseils sur une tonalité. Il faut me dire de quelle pièce il s'agit, si je la connais bien sûr. Hugo nous dit bonsoir. Pour atteindre un niveau avancé, oui, le scherzo numéro 2 de Chopin par exemple, vous conseillez d'atteindre quel tempo lorsqu'on travaille les gammes? Eh bien, tu vas jusqu'à ta limite. Si tu vois qu'à un moment donné, ben, il y a une des deux mains qui ne suit plus l'autre, c'est qu'il y a une limite et qu'il faut retravailler à ce tempo-là. Donc, ne pas dépasser un certain tempo. Tempo, c'est votre propre limite que je ne connais pas, bien sûr, parce que vous êtes nombreux. Il faudrait que je vous ai tous en cours pour vous connaître exactement. Ça serait d'ailleurs une performance. Mais voilà, jusqu'à la limite de ce que vous pouvez faire. Lorsque les deux mains commencent à ne plus jouer ensemble, c'est que là, il y a une limite à ne pas passer. Enfin, il faut la passer, mais progressivement, bien sûr. Estelle, on le trouve sur Internet en PDF. Ah bon, on trouve le Xerni, oui, en PDF. Vous pouvez très bien le trouver, le travailler, comme ça, progressif. Sol mineur, nous dit Michel. Oui, mais sol mineur, c'est une tonalité, ça n'est pas une pièce. C'est quelle pièce? Est-ce qu'il s'agit d'un prélude, de Bach ou issu d'un recueil? Si tu peux me le dire, je t'en dirai peut-être un peu plus. Travailler les gammes et les renversements et accords sont-ils bénéfiques en exercice? Ben oui, tout à fait, Wari, bien sûr. On l'a vu, c'est la première partie, la première des choses à faire quand tu te mets au travail. C'est consacrer une première partie à l'échauffement, comme on l'a dit tout à l'heure, dans la première partie du cours. Yves nous dit « La difficulté que je rencontre est que, de semaine en semaine, il y a de plus en plus de matières techniques à travailler. » Oui, tout à fait. Il est difficile de prioriser les exercices. Ben, on ne va pas donner de priorité, Yves. On va essayer de les faire, mais les uns après les autres. Voilà. Donc, c'est, comme je te dis, c'est sur un long terme. Donc, tu as tout ton temps pour travailler donc ces exercices, mais surtout régler les problèmes, hein, régler les problèmes techniques. Ça, c'est très important si vous voulez donc progresser. Hein. Bien sûr, je suis d'accord, techniquement, le piano, c'est extrêmement riche. Il y a énormément de techniques à travailler. C'est pour ça qu'il faut les travailler, commencer par les gammes et les arpèges. Les exercices de Hanon, ça vous ferait du bien. Et puis, travailler les Xerni, vous verrez qu'il y a des Xerni qui sont de niveau beaucoup plus élevé et qui vont vous faire travailler des difficultés aussi que vous allez rencontrer dans les vrais morceaux du répertoire, bien sûr, toujours. Ces techniques-là, ce sont que des outils. C'est des outils pour vous préparer justement à passer des difficultés techniques que vous trouverez dans les pièces du répertoire, bien sûr. Nicole, pour le jazz, faut-il travailler aussi Xerni ou autre? On peut travailler Xerni, vous donne une technique classique, c'est très bien, mais dans le jazz, il y a aussi des exercices. Tu sais qu'il y a un Hanon aussi, Hanon qui est consacré au jazz, tu peux travailler ça, hein. Il y a des exercices techniques de jazz, de patterns, de choses comme ça, et puis d'enchaînement des accords, bien sûr, puisqu'il y a toujours deux mains, bien sûr. Frédéric, j'ai entendu comme autre conseil de commencer d'abord une session de travail par l'étude du morceau. Non, je pense pas, non. Non, non. Si tu prends un sportif, il ne rentre pas dans la compétition s'il ne s'est pas échauffé avant. Donc ça, c'est naturel et clair. Wari, pourquoi j'arrive à improviser avec les deux mains, mais je suis incapable de travailler avec une chanson? Je ne sais pas, c'est ton cas particulier. D'ailleurs, je n'ai pas lu la suite. Vous êtes nombreux, ça passe très vite sur mon écran. Je suis désolé, repose, hein, repose la question. Marie, salut Yves. Bah, salut à toi, bienvenue Marie. Debré Michel, dommage, tu connais pas Yves, mais regarde sur le net, G mineur piano, c'est magnifique. Oui, mais enfin, je continue à penser que G mineur, c'est une tonalité et non pas un morceau, d'accord? Donc, il faut me dire de quelle pièce il s'agit, encore une fois. Jean-Marie, comment procéder pour obtenir afin de mieux jouer, car j'ai tendance à être impatient, en fait. J'ai débuté tardivement le piano. D'accord, l'impatience ne doit pas faire partie du travail. L'impatience, c'est quelque chose qui... Tu sais, il faut être patient lorsqu'on commence à travailler un instrument. Un instrument, c'est difficile quel qu'il soit. Il ne faut pas croire que le piano est plus difficile ou moins difficile qu'un autre instrument. Si tu commences la flûte, la clarinette ou même le violon, tu vas voir, les difficultés également sont autres, mais les difficultés sont là, quel que soit évidemment le morceau. Je t'en prie, Frédéric. Marie, ben je t'en prie, Marie. Wari, quelle différence entre une partition et un tuto? Je veux dire apprendre.
Bah, une partition, c'est une pièce de musique que tu vas travailler. Un tutoriel, ça explique un point technique de la musique, de la théorie, du piano, ou voilà, un point technique, bien sûr. Bonsoir Yves, nous dit JD. Faut-il d'abord maîtriser les renversements des triades avant d'apprendre les accords de septième? Oui, tout à fait. On commence par les accords à trois sons, même en jazz, hein, avec les renversements, etc. Dans toutes les tonalités, hein, j'insiste, dans toutes les tonalités, il y a 12 tonalités, il faut travailler tes accords dans toutes les tonalités. Et ensuite, tu passeras au septième et tu travailleras de la même façon avec les renversements, les enrichissements, 9, 11, 13, hein, et puis les positions d'accords, hein, en quarte, en tierce, en cluster. Mais ça, vous le savez si vous êtes habitué. Il y a beaucoup de tutos sur la chaîne pour vous apprendre ceci. Guy, j'arrive à composer de la main droite rapidement. Jouer, tu veux dire. Mais pour la main gauche, c'est un peu difficile. Y a-t-il des accords faciles et standards pour la main gauche? Non, tous les accords, hein, doivent être. Il y a quatre accords de base en triade, majeur, mineur, diminué et augmenté. D'accord? Et puis il y a six accords de septième, majeur, 7, mineur 7, dominante 7, demi-diminué 7, diminué 7, et ça se 4-7. Voilà, ces accords, tu dois les travailler d'abord en fondamental dans les 12 tons, dans les 12 demi-tons que comprend l'octave. Il n'y a pas de place pour un vide, hein, ici. Voilà, on doit connaître tout ce qu'on fait, tous les exercices que vous faites, faites-les dans les 12 demi-tons. Évidemment, la musique est écrite dans toutes les tonalités et vous n'y échapperez pas. Vincent, bonsoir. Avez-vous des conseils pour travailler la pédale? Oui, j'ai un tuto sur la pédale, hein, sur la pédale sustain, hein, où j'apprends effectivement à travailler le placement de cette pédale sustain sur le site. Tu vas dans l'onglet vidéo et tu tapes pédale sustain, tu verras, tu vas trouver le tuto très rapidement. Wari, j'ai toutes les gammes en notes, faut-il apprendre par cœur? Il n'y a pas de par cœur, encore une fois, le par cœur n'existe pas, il faut les travailler. Les travailler. Travailler, c'est pas apprendre par cœur, c'est faire vraiment des exercices, hein, dans toutes les tonalités, bien sûr. Volonté, salut, bonjour, bienvenue. Xavier, Jean-Marie, je conseille de travailler au métronome. Oui, bien sûr, il faut travailler au métronome pour la régularité. Je me permets de partager mon expérience. Comme toi, au début, j'accélérais sans le vouloir. Oui, effectivement, c'est dur de garder un tempo régulier. C'est pas facile lorsqu'on débute, en tout cas, parce qu'il faut avoir à ce moment-là un tempo intérieur. Et voilà, si on l'a pas, on va mettre la machine métronome, bien sûr, hein, d'accord? Travailler doucement et puis monter progressivement le tempo. Trop stylé, merci. Bonsoir, Vincent nous dit, avez-vous des conseils pour travailler? Donc ça, j'y ai répondu, Vincent. Tu vas trouver le tutoriel. The Blues Guys, Cassali, bonsoir. Vous avez... Oui, vous avez sauté ma... Oui, désolé, je ne vois pas toutes les questions. J'ai un petit kyste synovial au poignet gauche. Est-il courant chez les pianistes? Alors, un kyste, ce n'est pas courant. Ce qui est plus courant, c'est les tendinites, hein, qui touchent ici l'avant-bras, ici. Donc, c'est des tendinites, comme son nom, ça vient des tendons. Et ça, c'est plus embêtant. Jouez toujours décontracté. Et lorsque ça commence à faire mal, ben, arrêtez, détendez-vous. Et puis, revenez-y. Je le conseille, en tout cas, pour les tendinites. Ok, merci Vincent, pas de problème. Élise Casardi, bonsoir. Cher professeur, puis-je avoir quelques accords pouvant me servir pour rendre ma main gauche souple ou bien sur la chaîne où je peux les trouver? Oui, bien sûr. Le travail de la main gauche est important, bien sûr. Élie, je ne sais pas ton prénom. Élisée, hein, c'est ça. Il est très important parce que souvent, je l'ai souvent dit, donc la main gauche est parfois plus faible, même si vous êtes gaucher, hein, elle est plus faible que la main droite. Donc travaillez-les à part pour la mettre au niveau de la main droite, pour pouvoir jouer ensuite des choses vraiment ensemble avec une technique équivalente, hein, entre les deux mains, bien sûr. Alors pour rendre la main, oui, souple. Alors pour la souplesse de la main, il n'y a pas que les accords, bien sûr, Élisée, hein. Il faut travailler ses gammes et ses arpèges. On a loupé tout à l'heure les arpèges, mais pareil, hein. Voilà, une octave, deux octaves, trois octaves, quatre octaves, et dans tous les tons, bien sûr, aller-retour. Jean-Marie, effectivement, le métronome est très utile pour jouer sereinement. En tout cas pour les exercices, Jean-Marie, hein.
Je déconseille le métronome pour des pièces, surtout si c'est des pièces expressives, du type époque romantique, etc. Là, peut-être pas travailler au métronome, bien sûr, parce que les mouvements, là, sont libres, ils respirent, la musique, ça respire, hein, c'est pas un ordinateur ou un métronome, hein, bien sûr. Mais pour les exercices, oui, travaillez-les au métronome. Brigitte nous dit, pourrais-tu faire une fois par mois un webinaire en direct pour travailler un morceau avec une petite... Ouais, pour les personnes intéressées. Oui, je pourrais, mais c'est une question de temps, simplement, Brigitte. Mais tu sais, on a aussi travaillé des morceaux, hein, notamment dans le jazz et la musique classique aussi, Chopin, je crois, sur des lives. Donc voilà, sur des conseils d'interprétation, par exemple. Revois tous les lives, tu verras donc dans la playlist Music Classroom Live et tu trouveras certainement aussi. C'est possible, c'est juste une question de temps entre les tutoriels et les lives et tout ça prend énormément de temps. Donc j'ai pas toujours ce temps-là, désolé. Christophe, bonsoir. Pour toi, un exercice d'agilité comme modulation, c'est quoi? Non, les modulations, c'est un principe harmonique, c'est pas un exercice d'agilité. Les modulations, c'est changer de tonalité au cours d'un morceau. Hein, c'est ça la modulation. Voilà, les exercices d'agilité, je les ai donc conseillés dans la première partie de ce live. Tu pourras le retrouver si tu n'étais pas là au début du cours. Hein, d'accord? Jean-Loup, salut. Est-ce que vous avez quelques accords vocalises? Qu'est-ce que tu appelles les accords vocalises? Pour moi, les vocalises, c'est vocal, comme son nom l'indique. C'est des exercices vocaux comme ça, d'arpèges, de gamme, etc. Mais en accord, non, je vois pas. Je vois pas. Précise ta question, c'est un peu flou pour moi. Estelle, je n'arrive pas à jouer au métronome. Ça me perturbe plus que 100. Oui, mais 100, tu n'as pas le recul sur toi-même. Tu ne sais pas si tu es vraiment régulière, à moins que tu aies un professeur à côté et qui va te dire, voilà, tu n'es pas en tempo. Alors qu'avec un métronome, lui, il est impitoyable. Si tu n'es pas avec lui, tu ne joues pas en rythme. D'accord? Donc c'est difficile si tu es seul, si tu es autodidacte, si tu travailles seul. C'est difficile, effectivement, Estelle, de savoir si on est en rythme ou pas. Ou alors tape du pied, s'il le faut, mais taper du pied, mais à ce moment-là, régulièrement. C'est pas facile non plus. The Blues Guy Casali, bonsoir. Ben, je t'en prie. Christophe nous dit, pour toi, un exercice d'agilité. D'accord, modulation, j'y ai répondu. Modulation, ce n'est pas un exercice d'agilité. La modulation, c'est un principe harmonique qui permet de passer d'une tonalité à une autre dans le courant d'un morceau. Hein. Ce n'est pas du tout un exercice d'agilité. Xavier nous dit tout à fait, d'accord, le métronome est utilisé avec parcimonie. À utiliser vraiment dans les exercices, je le recommande. Tout ce que vous faites en exercice. Ah, et le métronome, ça va vous faire travailler l'agilité et puis surtout la régularité, bien sûr. Piano, bonsoir. Piano HMP professionnel, bonsoir. C'est vrai, je peux avoir des exercices de doigté. Oui, il y a des tutoriels sur les exercices de doigté. Il y a aussi sur le shop .musicclassroom.com, dont l'adresse va défiler dans le petit bandeau en bas, tu as aussi des exercices, tout petit prix, hein, des exercices en téléchargement PDF, notamment sur les doigtés, sur les gammes, sur les arpèges que j'ai conçus moi-même, et aussi sur l'indépendance des mains. Enfin, il y a tout un tas d'exercices que vous pouvez, qui existent aussi sous forme de pack, vous verrez. Lofty, est-ce que vous pourriez un soir prendre un thème, oui, comme Lullaby of Birdland, oui, et l'analyser? Bien sûr, c'est tout à fait possible. Ça a été déjà fait en jazz, hein, beaucoup, hein, Lofty. On a déjà analysé soit des solos de jazz, soit des grilles d'accords, harmoniques de standards de jazz. Ça s'est fait, ça se fait. Et Lullaby of Birdland, pourquoi pas, oui, parmi tant d'autres, bien sûr. Wari, j'ai des voix a cappella et je voudrais trouver la tonalité. Comment faire? La tonalité de ton morceau, oui, dépend de l'armure au début, hein, et nombre de dièses, de bémol. Et là, tu vas choisir entre une tonalité majeure, suivant ce nombre de dièses et de bémol, et puis donc, ou sa relative. Tu sais bien que deux gammes relatives, l'une majeure, l'une mineure, ont le même nombre d'altérations à la clé. Et là, c'est le morceau qui va te dire si tu es dans la gamme majeure ou dans sa relative mineure.
Coltrane, je suis toujours très tendu, j'en ai mal au dos et aux épaules. Oui, avant de travailler, existe-t-il des exercices de détente? Alors, je ne suis pas musicothérapeute, Coltrane, mais je peux te dire qu'effectivement, la décontraction, c'est évidemment d'abord mental, bien sûr. On ne peut pas se mettre au piano crispé ou quel que soit l'instrument d'ailleurs. Et puis, évidemment, on ne peut pas non plus, à partir des épaules, ici, tu dois pouvoir décontracter tout ça ici, tout. Tes épaules, le bras ici, poignet bien sûr, très important, la souplesse du poignet, et les doigts doivent être fermes par contre, d'accord? Donc ça se travaille, alors il y a certainement des exercices physiques, mais ça je ne peux pas te conseiller, je ne suis pas moi-même compétent hein, dans la matière, bien sûr, de relaxation en tout cas. Xavier, aurais-tu des exercices à conseiller pour jouer avec plusieurs voix à la même main? Je crois que l'on appelle ça la polyphonie. Oui, souvent, des exercices et des morceaux, je te conseille, ça dépend de ton niveau, mais je te conseille les fugues de Bach, hein, du clavecin bien tempéré, les recueils, où tu vas trouver des fugues de Bach, effectivement, ou dans une main, comme ça, la main droite. Tu as deux voix, tu en as une ici. Voilà, là je l'exécute à la main droite uniquement. Il y a deux voix, et quand tu as les deux mains, tu peux avoir des quatre voix. Donc les fugues, c'est formidable, le contrepoint hein, pour travailler des lignes mélodiques indépendantes, deux dans chaque main par exemple, lorsqu'il s'agit d'une fugue à quatre voix. Christophe, un remède au stress. Oui, on m'a déjà. Le trac, oui, j'ai fait un tuto sur le trac. Peut-être pas le supprimer, mais en tout cas l'utiliser pour que ça soit positif, justement, que ça soit motivant, ce trac, bien sûr, et non pas destructeur. Donc regarde bien, j'ai fait un truc sur la chaîne, donc un tuto sur justement comment maîtriser un petit peu le trac et surtout quelles sont les origines du trac, pourquoi en fait. J'espère que ça t'aidera. Intika, bonsoir. Afin de fluidifier ma lecture de part-jeu, quel exercice ma lecture de partition, tu veux dire? Quel exercice? Là aussi, j'ai un tutoriel sur la lecture de notes. Je pense que c'est ce dont tu parles, hein, il me semble. Et puis, il y a une formation totale, là, complète, sur la lecture de notes dans les deux clés, effectivement, comme ça, en lecture. Si c'est de ce dont tu me parles là. Hein. Wari, comment savoir la tonalité d'un chanteur? Y a-t-il des règles? Déjà, lui, il va interpréter donc une chanson, par exemple, dans une mélodie. Toi, tu vas essayer de la retrouver à l'oreille, au piano, suivant ce qu'il chante. Et tu vas déterminer, suivant le nombre d'altérations que tu as, dans quelle tonalité tu es. Et s'il faut, bon, suivant, s'adapter à sa voix, donc transposer un petit peu cette chanson pour pouvoir s'adapter à sa voix, d'accord? La transposer plus haut ou plus bas, ça dépend de quelle voix il s'agit, féminine, masculine, et de quel registre, évidemment. Hugo, bonsoir, j'aimerais progresser en harmonie, oui, et apprendre plus sur le sujet. Que me conseillez-vous dans vos boutiques en ligne? Il y a une formation harmonie musicale, d'abord qui te donne toutes les règles, et ensuite il y a une formation harmonisation, d'accord, qui est assez longue d'ailleurs, je crois. Harmonisation qui va t'apprendre à harmoniser comme ça des thèmes ou une mélodie. Sinon, il y a quand même une playlist sur la chaîne aussi qui va te donner quand même beaucoup de renseignements sur comment harmoniser une mélodie. D'accord? Vous avez vraiment tout le matériel déjà sur la chaîne. Après, pour ceux qui veulent pousser plus loin, il y a effectivement des formations qui procèdent cette fois-ci par ordre, avec des vidéos donc progressives de cette façon, et longues vidéos et exercices, hein, bien sûr. Estelle, oups, c'est. Ah oui, d'accord. Il y a le chat qui s'immisce dans le live là. Merci du conseil, nous dit Xavier, je t'en prie. Jean-Marie, comment procéder pour pouvoir jouer la mélodie de la et l'accord avec la main droite? C'est très simple. Généralement, quand je suis à deux mains, tu vois, je fais do sol à la main gauche et do mi ici pour l'accord do mi sol à la main droite. Et là-haut, au petit doigt, quatrième, cinquième, et je me débrouille pour avoir. Donc au sommet ici de ma main droite, sur les doigts 4 et 5. Voilà, j'essaie de jouer ma mélodie ici. D'accord? Alors que mon harmonie est dispatchée aux deux mains ici. Didier, comment travailler ma force de main gauche? Oui, pour qu'elle soit moins forte
pendant que ma main joue. Oui, alors ça, c'est l'indépendance, tu vois, c'est plus une indépendance rythmique, c'est une indépendance de nuance, c'est-à-dire comment jouer une main gauche, par exemple, sur la gamme, tu travailles. Une main gauche moins forte, ça va donner ça. Ou l'inverse, tu fais main gauche plus forte que la main droite. Voilà, l'indépendance donc des nuances aussi, comme l'indépendance des phrasés, quand tu joues par exemple une main piquée et l'autre liée, comme ça. Voilà, indépendance de phrasé. Et puis l'indépendance rythmique aussi, donc par exemple le 3 contre 2. Voilà, 3 contre 2. Donc tu vois, il y a beaucoup d'indépendance au phrasé, au piano. Il y a l'indépendance rythmique, hein, par exemple le 3 contre 2, le 4 contre 3, etc. C'est un peu plus complexe. Il y a l'indépendance de phrasé, une main liée, l'autre détachée, par exemple. L'indépendance de nuance, c'est la question que tu me poses ici, évidemment, Didier. C'est-à-dire qu'une main plus forte que l'autre, c'est essentiel parce que dans la musique, ça te permet de mettre les différents plans en valeur. Le plan de la mélodie qui doit être bien sûr devant, hein, et puis si tu accompagnes à la main gauche qui doit être au second plan, un peu derrière, tu vois. Donc tu vas mettre ta main gauche évidemment en retrait, la jouer moins forte que la main droite. C'est un travail que tu peux travailler sur les gammes, par exemple, t'entraîner en tout cas. Gabriel nous dit, je suis obligé de vous quitter. Ben, bonne soirée Gabriel, peut-être à la semaine prochaine, à mardi prochain. Xavier, merci pour le conseil pour la polyphonie. Je suis débutant et les fugues. Oui, les fugues sont difficiles pour un débutant, effectivement. Mais il y a beaucoup d'autres littératures musicales, hein, de partitions, peut-être de niveau plus facile, qui vont te permettre d'avoir évidemment deux voix dans une seule main et de les jouer indépendamment. Voilà. C'était la technique des organistes, ça, au XVIIe, à l'époque de Bach, hein, bien sûr, où il n'y avait pas de pédale sustain. Et dans une main comme ça, il fallait tout lier. Tu vois, tout est lié au doigt. Ça, c'est excellent pour l'indépendance des doigts à l'intérieur, bien sûr, d'une même main droite ici, la main droite. Gabriel, bonsoir. Wari, comment? Alors là, ta question a été coupée, Wari. Si tu veux la reposer. Xavier, je t'en prie pour la polyphonie. Alors, on avait dit. Christophe, j'ai un exercice. Je dois reconnaître la signature rythmique, oui, d'un morceau à l'oreille. Comment fait-on? Ah, à l'oreille, et ben justement, j'ai fait une formation sur l'oreille, là, l'oreille musicale, une formation d'oreille musicale, où j'apprends aussi à reconnaître évidemment les mesures. Est-ce que c'est une mesure donc simple, une mesure composée, donc où les temps sont binaires ou les temps sont ternaires? Est-ce que c'est une mesure elle-même paire ou impaire, c'est-à-dire à deux temps, à quatre temps ou à trois temps, etc. etc. Voilà. Et ça, c'est à l'oreille qu'on doit le reconnaître. Comment faire? Par des exercices, bien sûr, par ces exercices-là. Voilà. D'ailleurs, cette formation de l'oreille ne concerne pas que les rythmiques et les mesures, elle concerne aussi les intervalles, les accords, etc. Tout reconnaître à l'oreille, c'est important, parce que l'oreille d'un musicien, de tout musicien, doit être vraiment bien calée et en place. Donc, il doit entendre vraiment intérieurement, quoi. Hugo. Oui, je vois un livre sur l'harmonie, oui, et l'autre, oui, ben simplement qu'il y a certainement un bouquin en e-book, c'est-à-dire en dématérialisé, en téléchargement, et puis l'autre, par contre, c'est le bouquin papier, hein, simplement, qui est envoyé, je pense, par la poste. Voilà. Hugo, également, j'ai l'impression que c'est les mêmes. Oui, ce sont les mêmes, donc ce sont bien les mêmes. Mais il y en a un qui est sous forme de bouquin, l'autre sous forme e-book, donc voilà, en téléchargement simplement. D'accord, eh bien, il est bientôt. Vous avez une autre question? Il est bientôt 20h. On va peut-être arrêter là et je vais vous donner bien sûr rendez-vous à mardi prochain, 19h, heure de Paris, hein, pour ceux qui sont à l'extérieur de la métropole, ou même à l'autre bout du monde. Donc, calculez un petit peu le décalage horaire. C'est toujours 19h, heure de Paris. J'annoncerai donc le nouveau sujet de ce live de la semaine prochaine, donc dans
évidemment l'onglet communauté de la chaîne quelques jours avant sa diffusion. Voilà, donc vous pouvez voir le sujet, ça vous intéresse, vous venez donc à mardi prochain. Yves, ben, je t'en prie, bien, j'espère que ce tuto sur le travail technique hein, que vous allouez à votre instrument vous sera utile. En tout cas, voilà. Lofty nous dit « Je suis en Tunisie ». Bienvenue, Lofty. Oui, je t'ai déjà eu d'ailleurs. Je t'ai déjà eu sur les lives. Je sais que tu es là assez présent. Ben, je vais vous souhaiter une belle semaine. En tout cas, mettez à profit tout ça. Retrouvez tous les lives et tous les tutoriels sur la chaîne. Si vous avez aimé ce live, laissez... moi, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, ça nous permet de continuer, de nous encourager, bon, de m'encourager en tout cas ici. Et puis donc, je vous souhaite de passer une belle semaine, mettez à profit tout ça. Travailler régulièrement, c'est le moins qu'on puisse faire si on veut vraiment maîtriser un instrument. Ça peut être long, mais en tout cas, c'est le travail régulier qui paye, en tout cas, quel que soit l'instrument d'ailleurs que vous travaillez, d'accord. Donc, je vous dis merci d'avoir participé, vous étiez assez nombreux ce soir. Donc, à mardi prochain, n'oubliez pas, 19h, le sujet sera sous l'onglet communauté d'ici quelques jours. Salut, à très très bientôt.